À l'occasion d'Octobre Rose, qui est un temps fort de la prévention et de la prise en charge de cancer du sein, je voudrais vous présenter les programmes phares développés par l'UCBG au sein d'UniCancer, qui est un acteur international majeur dans la recherche clinique sur le cancer du sein. UCBG, pour UniCancer Breast Group en anglais, est un intergroupe coopérateur français labellisé par l'INCa. Et il est donc reconnu comme le groupe scientifique majeur dans le domaine de la recherche clinique en cancer du sein en France. Alors notre groupe est présidé par le docteur Thomas Bachelot. Il réunit des experts de l'oncologie médicale, de la pathologie, de la chirurgie, de la radiothérapie, ainsi que des méthodologistes. Notre objectif global est d'une part de permettre aux patientes et patients l'accès aux traitements innovants et d'autre part d'améliorer leur prise en charge. Alors au sein de notre groupe, nous avons également deux représentantes des patients qui participent à nos réunions. Elles apportent beaucoup leur regard critique sur les études que l'on développe. Nous menons des études qui peuvent être purement françaises, mais aussi des études internationales. Grâce aux nombreuses collaborations que nous avons établies avec des groupes académiques étrangers ou encore avec des industriels. Nous avons également établi une collaboration étroite avec un groupe français qui s'appelle le Gynéco, qui nous permet de couvrir un large réseau de centres investigateurs, des centres de lutte contre le cancer, des centres hospitaliers universitaires, des cliniques, répartis dans toutes les régions françaises, ce qui permet aux patients une facilité d'accès à nos études. Depuis la création de notre groupe, plus de 50 000 patientes ont pu participer à nos études cliniques. Pendant tout le mois d'octobre, nous allons vous présenter des programmes phares développés au sein de l'UCBG. Programme MyPEPS, un programme de dépistage coordonné par le docteur Suzette Delaloge. L'étude CANTO, qui est une cohorte de patients pour évaluer les conséquences physiques, psychologiques et sociales liées au traitement. Cette étude est coordonnée par le docteur Inès Vazluis. L'étude ASTER 70, coordonnée par le docteur Étienne Brun, s'intéresse au sujet âgé, qui est une population habituellement exclue des essais cliniques. Également, nous avons un gros programme de médecine personnalisée. C'est grâce au professeur André, qui le coordonne, qu'UniCancer a été un des précurseurs de la médecine personnalisée. L'UCBG vous donne rendez-vous tout au long du mois d'octobre pour vous permettre de découvrir nos programmes de recherche développés pour les patientes et patients, et axé sur l'amélioration de la prévention et de leur prise en charge, en leur permettant également l'accès aux traitements les plus innovants.